tous, alors il est 8h30, 45, et c'est direction la gare de Nikko. C'est-à-dire ce matin le réveil, je vous avoue. Hier soir je me suis effondrée, puis je me suis réveillée dans la nuit, et enfin bref, vous en foutez de ma vie. Bref, voilà, donc l'info c'est à la gare, je suis pas spécialement en avance. Je suis contente d'avoir dormi à l'hôtel pour une fois, ça fait du bien. Et puis là avant de partir on m'a offert un petit cadeau. C'est un petit porte-bonheur. Je crois qu'il a dit monsieur que c'était pour le mariage. J'étais ok, c'est sympa, merci. Donc voilà, on part à la gare. C'est parti. Alors autant hier il faisait beau, autant aujourd'hui je pense qu'il va peut-être pleuvoir. En tout cas, il y a pas mal de nuages. On va voir ce que ça donne. Ah. Et ce soir, c'est retour à la maison. C'est mieux si je prends la photo, t'as pas le soleil là. Avec le soleil, on voit rien du tout. Hein. C'est un barrage, je crois. Ah, c'est un barrage. Ouais. Je pense qu'ils, ouais, du coup, ils se servent de la pente. De... Dans le Jura, je suis allée voir les cascades du RSU. Mmh. Ah, je connais pas du tout. C'est pas possible. J'ai pas fait ce que j'avais prévu, mais bon, j'ai passé une très bonne journée, donc c'est pas grave. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. À bientôt.